Et oui. 32 ans que Visa pour l'image exerce sa vision du photojournalisme sur nos petits cerveaux très curieux de ce qui se passe dans le monde. Pour paraphraser Jean-François Leroy, le directeur de cet événement, je dirais « les photographes sont mes yeux sur le monde ». Quand je vois une belle image, une belle lumière, une belle quelque chose que je trouve joli, esthétique, quoi, j'ai envie de le graver et de le garder pour moi, quoi. Je sais pas. C'est instinctif en fait. Bonjour les amis, donc nous sommes à Perpignan, au couvent des Minimes, pour voir l'exposition photographique pour Visa pour l'image. Première prise de vue un peu particulière cette année avec bien entendu les distanciations sociales et le Covid-19. C'est parti. J'étais très émue et un petit peu encore dans les images que je viens de voir et je suis un peu émue, quoi. Ils ont mis aussi cette année le doigt sur l'eau. Hein. Bon, ça, c'est un sujet qui revient tout le temps ici, ouais. À Visa pour l'image. L'eau est porteuse de maladies. Bon, il y a aussi le Covid qui a été mis en image. Oui. Alors cette année, il y a moins d'expos, mais c'est peut-être pas plus mal parce qu'on prend un petit peu plus le temps, il y a un peu moins de monde aussi, donc c'est aussi la bonne nouvelle, on n'est pas pressé pour regarder toutes les expos, on peut y aller sur une journée en fait, sans problème. Pour cette 32e édition, l'occasion nous a été donnée de déambuler dans les 4 lieux de Visa pour l'image. Cette année particulière, marquée par la pandémie, nous a pas fait oublier que notre planète souffre toujours de la déforestation, des problèmes de l'eau et de la prolongation du Covid-19. Au fond, l'essence du photojournalisme, c'est traiter tous ces sujets et les faire partager.